Et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous tous qui êtes rassemblés ce soir en la cathédrale Notre-Dame de Paris pour célébrer cette Eucharistie dominicale. Bienheureux aussi vous tous qui êtes rassemblés avec nous par le biais de Radio Notre-Dame et de Catéo. Nous sommes aujourd'hui rassemblés en ce dimanche de prière pour les missions, portant dans notre cœur tous ceux qui ont le souci de ceux qui ne connaissent pas le Christ, parce que le Christ est la bonne nouvelle pour l'homme aujourd'hui, parce que le Christ est celui qui est le souffle d'espérance, le souffle de liberté, le souffle d'avenir dont l'homme a besoin, parce que le Christ connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et peut conduire le cœur de l'homme jusqu'à la rencontre du Père. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons au Seigneur que sa miséricorde reconduise notre vie et les chemins de notre vie vers cette rencontre du Père, cette rencontre où l'homme trouve sa joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle.
in excelsis Deo. Éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit-Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris par la main, pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai décerné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Parole du Seigneur.
à toi, Seigneur, que revient toute gloire. C'est à toi, Seigneur. Commencement de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Nous, Paul, Sylvain et Timothée, nous nous adressons à vous, l'Église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix soient avec vous. À tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frère bien-aimé de Dieu, vous avez été choisi par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile chez vous n'a pas été simple parole, mais puissance, action de l'Esprit-Saint, certitude absolue. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, « Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ?»« De l'empereur César, » répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Frères et sœurs, voici donc que l'on veut mettre Jésus à l'épreuve. S'il répond « Il faut payer l'impôt à l'empereur », alors il sera accusé de vouloir faire allégeance à l'occupant. S'il répond « Non », alors ça voudra dire qu'il sème la révolte. C'est donc bien une question pour le mettre à l'épreuve, en d'autres termes, pour lui tendre un piège. Jésus reprend la question qui lui est posée sous un angle beaucoup plus profond. De qui donc est l'effigie sur cette pièce de monnaie? De César. Alors rendez à César ce qui est à César. Mais lorsque vous entendez cette phrase, qu'est-ce qui appartient à César? Je ne sais. Est-ce que cela veut dire qu'il y aurait d'un côté, finalement, l'argent et de l'autre Dieu, ou qu'il y aurait d'un côté le pouvoir politique, le monde de la cité et de l'autre ce qui correspond à la religion? Cela voudrait-il donc dire qu'il y aurait une sphère du privé et une sphère du public, et que la religion, par exemple, serait du domaine privé et donc n'aurait pas de lien avec le monde public? Est-ce que cela veut dire, lorsque vous entendez cette phrase de l'Évangile, que vous la comprenez comme si Jésus, finalement, séparait le monde de César du monde de Dieu? Si tel était le cas, si nous osions penser qu'il y a comme cela cette séparation et que Jésus prêcherait ainsi une sorte de dichotomie, évidemment, nous irions droit à une impasse. Et lorsque nous prions le psaume
et que nous demandons à Dieu, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Nous savons bien que le sens de notre prière, c'est que le cœur soit unifié, et que l'interprétation de cette phrase, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ne peut en aucune manière être cette schizophrénie, cette dichotomie entre deux mondes, comme si, en l'homme, il pouvait y avoir, dans l'appel de Dieu et dans la réponse de l'homme, le monde de Dieu et le monde de l'homme. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais à qui donc est César ? De qui César ? César est-il donc la fin, la finalité ? Non, César appartient à Dieu. L'argent, puisqu'il s'agit bien d'argent, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de payer l'impôt, l'argent n'est jamais la finalité de l'homme. L'homme ne peut construire sa vie, une société, un monde, ne peut pas construire sa vie en prenant comme finalité ce qui n'est qu'un moyen, l'argent. Mais à prendre le moyen comme finalité, on en oublie ce que l'homme veut, en fait, pour sa vie et pour le monde dans lequel il habite. En invitant ainsi à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Jésus nous désigne la finalité de l'existence comme appartenant et se recevant à Dieu et non pas de l'homme. Il nous invite à comprendre toute notre existence à partir de Dieu, qui est la source même de l'existence de l'homme, qui en est la source et la finalité. L'homme qui prend sa vie de Dieu, qui la reçoit de Dieu, et par laquelle il est conduit vers Dieu. C'est cette finalité-là qui est le centre même, le sens même de l'existence. Et si l'homme referme son horizon entre sa naissance et sa mort, alors effectivement, l'homme se comprend en confondant moyens et finalités, et l'argent devient sa propre finalité. Alors il comprend la phrase comme une dichotomie, et non pas comme une manière de rendre tout à Dieu, de tout ramener à Dieu, parce que l'on sait que sa vie prend sa source et sa force en Dieu. Vous savez bien que l'argent est volatile, que l'argent n'est qu'un moyen, que l'argent ne pourra pas être une finalité qui rende l'homme à son bonheur, puisque l'argent, lorsque nous comprenons ce texte d'Évangile comme une séparation entre deux mondes, l'argent alors devient une idole et ce bien créé devient finalement celui qui nous possède et nous rend esclaves. Alors il convient de comprendre que l'homme appartient à Dieu parce qu'il prend sa vie, la source de sa vie en Dieu et qu'il est conduit vers le Père. De comprendre notre vie dans ce chemin. Ainsi l'homme comprend que le sens de son existence devient, dans le respect et la soumission aux lois de la cité, devient de construire une vie dans la réponse à un appel à celui en qui nous prenons notre source et notre finalité, et construire sa vie dans une telle réponse et dans une telle finalité, cela s'appelle l'appel à la sainteté. Cette sainteté qui se manifeste dans la vie de l'homme par l'offrande de sa vie à Dieu. Offrir sa vie à Dieu, c'est comprendre que nous appartenons à Dieu et le manifester dans le concret,
de notre chemin à la fois ordinaire et d'unification. C'est comprendre que appartenir à Dieu, c'est vivre l'offrande quotidienne comme nous allons la vivre dans l'Eucharistie. C'est comprendre que parce que l'on sait que Dieu nous aime, notre vie devient un acte d'offrande à l'amour miséricordieux du Père. Comprendre alors qu'appartenir à Dieu, c'est sans cesse reprendre cet acte d'offrande. Seigneur, je m'en remets à toi, car tu es l'amour. Et te connaissant ta face emplie d'amour, la vie ne peut être que cette réponse libre de l'homme, l'offrande de soi-même, sans rien retenir pour soi. Et cela, c'est l'aventure de toute une vie. C'est l'aventure du chemin de notre existence, c'est l'aventure de nos choix, de nos décisions au quotidien. C'est une aventure sans cesse renouvelée, mais c'est celle du royaume de Dieu, celle de la foi qui nous donne à la fois de pouvoir agir avec la puissance de l'action de l'Esprit-Saint et cette certitude absolue que seul ce chemin d'offrande rendra à l'homme sa pleine liberté et lui dévoilera le plein chemin du bonheur. En ce jour d'aujourd'hui, où nous célébrons à la fois la mission dans tous les pays du monde, nous pouvons comprendre combien cette expérience du Christ est finalement celle que nous voulons annoncer. Une foi qui ne s'annonce pas, une foi qui ne se dit pas, est une foi qui meurt. L'annonce de la foi, l'annonce du Christ, nous tient à cœur parce que le Christ est la joie de l'homme et la liberté de l'homme. Et en ce jour aussi où les bienheureux Louis et Zélie Martin ont été béatifiés à Lisieux, les parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, nous pouvons comprendre dans ce couple béatifié, dans cette vie de Louis et Zélie Martin, comment c'est bien dans l'ordinaire de notre vie que nous sommes appelés ainsi à faire l'acte d'offrande de nous-mêmes pour y trouver la vraie source de la joie, la vraie puissance de l'action de l'Esprit-Saint et finalement, dans cette réponse à l'appel à la sainteté, être transfiguré jour après jour par cette action de Dieu que nous désirons tant au cœur de notre vie. Tout à l'heure, la quête sera faite pour les œuvres pontificales missionnaires, c'est-à-dire pour toutes les missions au travers du monde. Ça nous donnera l'occasion de prier au fond de notre cœur pour tous les missionnaires et tous les coopérants qui partent de France vers d'autres pays, et aussi de tous ceux qui viennent rejoindre la France. Professons ensemble notre foi. Credo in unum Deo.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière, au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande, vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et tend au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, ici présents, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est avec une très grande confiance, confiant en cet amour du Seigneur, faisant l'offrande de notre vie, que nous osons dire ensemble : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, jeudi prochain, 23 octobre, les vêpres seront à 17h45, la messe à 18h15, l'adoration du Saint-Sacrement vers 19h. Au cours de ces offices, il vous sera possible de méditer sur les textes pauliniens dans le cadre de l'année Saint-Paul. Les références vous sont données sur votre feuille. Samedi et dimanche prochain, les messes et les offices sont aux heures habituelles portées sur votre feuille. D'autre part, nous vous donnons dès maintenant les horaires, puisque cela nous a été demandé, du vendredi 31 octobre, du samedi 1er novembre, solennité de tous les saints, et du dimanche 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Emportez cette feuille, comme ça, cela vous permettra de ne pas commettre d'erreur. Mardi 21 octobre, mardi prochain, à 20h30, vous êtes invité à un concert en hommage à Olivier Messiaen. Vous pouvez prendre et retirer vos billets à l'accueil. Tous les soirs d'octobre, donc ça va bientôt se terminer, mais c'est ce soir, par exemple, donc tous les soirs sauf le vendredi, à 21h, l'opéra d'images Domus Domini, la Maison du Seigneur, c'est sur grand écran, une heure de spectacle pour comprendre mieux les secrets de la cathédrale du point de vue de l'architecture et aussi du projet spirituel. C'est en français et version sous-titrée en langue anglaise, l'entrée est libre. Enfin, depuis 3 semaines, et c'est la dernière fois que nous vous en parlons pour le moment, comme dans tous les diocèses, on vous a remis l'enveloppe du denier de l'Église. Il y a une Église dans ma vie. Il y a une feuille à l'intérieur qui vous explique les activités nombreuses de la cathédrale, puisque nous donnons presque 1800 offices par an ou célébrations avec maîtrise et orgue, et d'autres choses encore, dont récemment, par exemple, la visite du Saint-Père Benoît XVI. Et si les activités augmentent, eh bien les charges augmentent. Alors plutôt, ces temps-ci, que de placer votre argent dans des endroits hasardeux, donnez-le à la cathédrale. Vous serez comme ça généreux et vous aurez fait une bonne action et vous serez tranquille d'esprit. Merci. Nous reprenons notre prière avec Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Nous mettons le vœu. Unissons nos prières. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à tous, bonne semaine. Salve Regina.